Vraiment, la grande majorité du temps, c'est des petits montants. 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Vraiment, proportionnellement au revenu de la personne, c'est vraiment des montants insignifiants. Ce sont ces montants-là, justement, qui portent des préjudices au dossier de crédit. Parce qu'au niveau du bureau de crédit, on s'en fout du montant. Peu importe le montant, soit 2 dollars, 3 dollars, 10 dollars ou 1 million de dollars, ça n'a aucune différence quand c'est en retard. Quand c'est en retard, c'est en retard. Ça peut avoir une incidence sur un crédit comme carte de crédit, marge de crédit. Oui, le montant est important également à prendre en équation parce que plus le montant que vous devez est plus élevé, plus ça vous affecte beaucoup également en termes du pointage de crédit pour ce mois-là, pour ce mois où vous êtes en retard. Mais pour tous les autres types de crédits, ça n'a pas d'importance quel montant que vous avez, que vous devez, pour qu'il vous affecte. Comme je dis, la majorité des gens, c'est des petits montants insignifiants.